bienvenue sur Juste Cuisine. Aujourd'hui, je vous présente la recette de la quiche Lorraine. Donc, les ingrédients qu'il vous faudra pour cette recette sont 200 g de lardons, 100 g de gruyère râpée, 3 œufs, 200 ml de crème fraîche, 60 ml de lait, et enfin, d'un rouleau de pâte feuilletée ou alors un rouleau de pâte brisée, comme vous voulez. Tout d'abord, faites fondre une noix de beurre dans votre poêle, comme ceci. Et faites revenir vos lardons, comme ceci. Une fois que vos lardons seront bien dégraissés, éteignez votre feu. Ensuite, donc, cassez vos 3 œufs. Versez-y la crème fraîche, votre lait et battez le tout. Assaisonnez enfin avec un peu de poivre et un peu de noix de muscade. Comme ceci. Mélangez. Et votre crème est prête. Étalez maintenant votre pâte feuilletée dans un moule. Piquez-la à l'aide d'une fourchette. Déposez-y sur le fond vos lardons dégraissés. Parsemez donc le fond avec du gruyère râpé. Comme ceci. Et ensuite, versez-y votre crème. Donc, vous pouvez enfourner votre quiche dans votre four préchauffé à 180 degrés pendant une demi-heure. Voici le très beau résultat de notre quiche Lorraine. J'espère que le résultat vous a plu. Moi, en tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes sur Juste Cuisine. Ciao !